Et voilà, donc nous nous retrouvons comme vous pouvez le voir sur le Director's Cut de Resident Evil que j'avais à l'époque sur PS1. J'avais acheté le Director's Cut effectivement. Et donc bah, grâce au nouvel abonnement PSN Plus Premium, j'ai accès à des vieux jeux PS1, entre autres. Donc là je commence par celui-ci. Je pense que je ferai une petite série de vidéos. Sur certains jeux qui m'ont beaucoup plu ou d'autres que j'ai pas connus, pour voir comment ce nouvel abonnement marche et fonctionne. Donc on va voir ça tout de suite. C'est fort. Enfin bon, donc standard entraînement avancé. Bah non, standard c'est trop bon d'entendre ça. Comme on est une petite bite, on va prendre Jill. Bah écoutez, ça fait vraiment plaisir de pouvoir rejouer à ce jeu que j'ai toujours, hein, mais ma PS1, effectivement, est rangée et exposée, mais je ne m'en sers plus. Donc là, c'est un peu la solution de facilité. Ah oui, c'est vrai que c'était en couleur. Alpha Team is flying around the forest zone situated in Northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo Team, who disappeared during the middle Chris, of our mission. You found it? No, I haven't found it yet. Ils avaient refait le... Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. Look, Chris! It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Gore que la version normale. Bon, les acteurs sont toujours aussi mauvais, évidemment. C'était beaucoup plus sanglant, en tout cas. Non! Don't go! What a mansion. Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Wesker. Resident Evil. Ils se sont abusés dans cette maison. Eh ben non, les mecs, on n'est pas à l'abri.
portal. What is this? Wow! What a mansion! Captain Wesker, where's Chris? Stop it! Don't open that door! But Chris is... What is it? Maybe it's Chris. Now, Jill, can you go? I'm going with you. Chris is our old partner, you know. Okay, let me handle this. Stay alert! C'est vraiment marrant de se retrouver là-dedans. En revanche, le son est excessivement fort. J'espère qu'on pourra avoir accès à des options sonores, mais j'ai un doute. Alors, oula, ah oui. Ça va être très compliqué. Alors, ah oui, retour en arrière. Oh, putain, oui, d'accord. Retour en arrière, changer, sauvegarder, très bien. Paramètres. Est-ce que j'ai des paramètres ? D'accord, commande. Je n'ai aucun paramètre de son. Oh putain. D'accord. Très bien, les commandes, j'ai que ça. Parfait. Bon. Écoutez, je vais essayer de parler hors dialogue. Dialogue, parce que je ne peux pas du tout me rendre compte si c'est très fort ou pas. De toute façon, on ne va pas passer une heure là-dessus, mais c'était pour voir comment ça marchait sur PS5. Ça marche très bien. Donc celui-ci, comme ce n'est pas de la PS3, j'ai pu le télécharger. En revanche, les jeux PS3 sont juste en streaming. Et je ne peux pas vous faire une capture de l'univers du nouveau PSN Plus, puisque l'enregistrement vidéo ne marche pas, ce qui est très intelligent de la part de Sony. On ne peut même pas faire de pub pour leur propre PSN Plus en capturant directement sur la PS5. Donc c'est encore c'est très intelligent tout ça. Bref. Donc il y a le catalogue qui est assez sympathique. Donc j'ai effectivement envie d'essayer pas mal de vieux jeux auxquels j'ai déjà joué et auxquels je n'ai pas joué. Donc je pense que... pendant plusieurs jours, ça va être plutôt l'exploration des anciens jeux. Pourquoi pas refaire quelques jeux PS3, mais... Donc voilà. Donc on va avancer un petit peu dans Resident Evil Director's Cut, dont je ne me rappelle plus. Je sais juste que les... que certains cadrages étaient différents. Je l'avais fini aussi. En revanche, le déplacement, là, c'est très très compliqué. C'est à l'ancienne, hein. On n'a pas de choix de déplacement comme sur les remakes. Les remasters, c'est vraiment... je fais tout avec un seul stick. Tout avec le stick... gauche, mais alors attendez, parce que là... C'est bien gentil tout ça. Comment j'ai accès ? Voilà, ok. Oh, ces sons, c'est fou. Alors effectivement, on a revu plein de vidéos depuis, mais de pouvoir y jouer à nouveau, moi j'avoue que j'ai pas eu la possibilité, donc ça me fait excessivement plaisir. Le plan, on y a accès, oui c'est ça, dossier pour l'instant rien, quitter. Putain, par contre. Oui, ok, d'accord. Tac. Ah oui, d'accord. La vache. Bon, on va essayer de pas trop passer des heures sur les commandes, c'est pas la peine. What? What is this? What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Ok, bye. Hope this is not Chris's blood. Donc, on va aller en face, évidemment, pour... Putain, si j'y arrive... C'est très très perturbant. Comment est-ce qu'on pouvait jouer comme ça? C'est fou ça. On va évidemment rencontrer notre premier zombie, hein, le fameux. On va essayer de pas crever. Alors attendez, parce que là, putain, c'est. Bon, ça demande un petit temps d'adaptation, hein, mais c'est très compliqué à gérer ce mode de déplacement en tout cas. Thank you.
Donc scène bien sûr hyper connue. Je vais essayer de me barrer comme je peux, parce que de toute façon, bah, il va le buter, donc ça sert à rien de perdre des munitions là-dessus. Essayons d'économiser, vu que je maîtrise pas trop encore les déplacements, c'est pas à peine de crever. Barry ? Donc d'une manière assez lâche, je vais laisser... What is it? Watch out! It's a monster! Let me take care of this. Voilà. What is it? Kenneth was killed too. Maybe by this creature. Anyway, let's report this to Wesker. Attends, je voudrais juste voir. Putain. Oh. Ah, c'est un cauchemar. Attends, je vais retourner là. Donc, je peux ou pas? Ah là là, d'accord, ok. Bon. Voilà. Il n'y a pas moyen de courir. Si, voilà. Ce sera plus rapide comme ça. Ça fait plaisir de se retrouver dans ce petit manoir version PS1. Wesker! Help me look for him, Jill. And don't leave this hall for the time being. Alors on va récupérer un petit ruban par ici. Putain. Oh. Ah d'accord, ah oui ok, bon ok, j'ai compris ce qu'il faut faire. C'est horrible. Et ça, de mémoire, je crois que dans le premier, on pouvait pas passer par derrière. Enfin, je dis peut-être des conneries, hein, mais bon. Il y a eu tellement de versions que je ne me rappelle plus. Voilà. Find anything, Jill? Nothing. What is this all about? I can't figure it out at all. Beats me too. Now it's Wesker's time to disappear. I don't know what's going on. Well, it can't be helped. Let's search for him separately. I'll check the dining room again. Okay, I'll try the door on the opposite side. This mansion is gigantic. We could get into trouble if we get lost. We should start from the first floor, okay? And, Jill, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. Thanks. Maybe I'll need it. Listen, if something happens, let's meet up in this hall. This time, I'll be there. Alors, on va essayer de récupérer ce putain de ruban encreur. S'il est... Ah oui, mais attendez. Ah, oui. Comme tout a changé de place, je suis même pas sûr qu'il y en ait un là, en fait. Ah si, quand même. Ok. Bien sûr. Non. Il faudra vraiment un temps d'adaptation. J'ai très peur quand je devrais devoir me frotter au Hunter et compagnie parce que voilà. C'est vraiment qu'il faut s'y remettre, c'est très compliqué. Alors, on va essayer de pousser l'escabeau. Putain. Mais c'est un cauchemar. Mais retourne-toi. C'est un enfer.
Allez. Voilà. Maintenant. Non, pas plus. Allez, pousse-toi. Ah, c'est incroyable, hein. Non, pas tout de suite, ça. Oh là 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 là, mais non. Voilà. On a récupéré le plan. Bah oui. Alors j'espère que j'ai assez de place pour passer entre le mur et la commode. Oh, mais c'est pas possible. Oui. Allez. Bon. Non, stop. Normalement. Il y a un mec ici. Oui, alors, il est censé être mort. Hein. Ouais, parce que quand on vise, en fait, on bouge. Et je tire comment ? Avec le X, putain, d'accord. Ah, c'est incroyable. Arrête de bouger. Voilà. On me la fait pas, moi. Avec ça, je crois. Ouais. Mais non, je voulais juste passer par la porte, si possible. Voilà. Donc là, les chiens ne vont pas sortir là, hein, puisque c'est une autre version. Mais je crois qu'on pouvait pousser. C'est putain de merde, hein. Ouais, peut-être pas ici. Ouais. Il n'y avait pas un truc par terre là, hein. Bah. Est-ce que c'est vraiment le Director's Cut ? J'ai un doute là. Non, là j'ai un vrai doute pour le coup. Mais je crois que c'est pas du tout le Director's Cut en fait, quoi. Il raconte n'importe quoi. Ah putain, mais vas-y, tourne-toi. Puisque il me semble que dans le Director's Cut, les chiens n'apparaissaient pas là, justement. J'ai un gros doute. Est-ce qu'on m'aurait menti ? Mais surtout que oui, j'ai l'impression, puisque le... Il n'y a pas une... un passage, justement, dans la pièce. Après le premier zombie qu'on a vu... Est-ce qu'ils n'avaient pas rajouté une pièce au fond ? Je confonds tout, quoi. Là. J'ai pas l'impression que ce soit un Director's Cut du, Director's Cut du tout, là, les enfants. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? J'ai un gros doute. Hein. J'ai un très gros doute. Nous aurait-on menti ? J'ai bien l'impression. Ouais,
assez bizarre. Ou alors, ce qu'il fallait se mettre en avancée ou... Bon, il faudra que je regarde ça. Bon, toujours est-il que ça fait quand même plaisir de se retrouver là. Mais oui, c'est bizarre ça. C'est pas la pièce du piège ici. Hein. La fameuse pile sandwich, mais je suis pas sûr que ce soit là. Ah, si, c'est ça. Bon, allez, on va se le faire. On connaît tout ce qui va se passer, mais c'est pas grave, non. J'ai un gros doute. Oui, là, je doute. Je doute. Tapisserie. C'était tellement bon ce jeu, c'était tellement fou à l'époque. C'était tellement effrayant. J'avais joué à la campagne et tout. Mais j'étais vraiment dedans. C'était un souvenir impérissable de jeux vidéo, en tout cas, ça c'est sûr. Bon, c'est le bon ça ou c'est un fou? Ah, c'est le bon ça. Ouais. On va le prendre, on s'en fout. De toute façon, l'autre doit nous sauver. Donc, c'est au moins, on l'aura. Bon, effectivement, il faudrait récupérer le faux, le fusil abîmé pour le matelas, mais de toute façon, on va avancer. Et puis, de toute façon, on va pas. Je vais pas rester des pompes, je sais même pas depuis combien de temps je capture. Mais je vais continuer encore un petit peu parce que ça me fait bien plaisir. Voilà. Le fameux piège. Jill? Is that you, Jill? What happened? Barry? Help me, please! The door won't open! Quick! Stay away from the door, Jill. I'm gonna kick this door down. Hurry! This way! Et voilà comment récupérer un fusil à pompe rapidement. That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Barry, thanks for saving my life. But Barry, didn't you say you're going back to the dining room to do some research? Why on earth are you here? I just had something I wanted to check. Now, let's get back to searching for the lost captain and Chris, shall we? Donc le Gilles Sandwich qui est effectivement une Thank you, phrase, Barry. Ta gueule, yeah, yeah. Une phrase culte de cette licence qui était reprise, pas que tout le monde connaît. Alors on va continuer encore un petit peu. Attendez, s'équiper du pont, c'est complètement con, mais bon, c'est pour le fun. Et donc pour sortir, c'est ça, d'accord. Je regarderai, mais je pense pas que ce soit la version Director's Cut. Je me répète, mais ça me paraît vraiment... ça aurait été bien de viser la tête, en fait. Est-ce que si je fais ça, ça passe? Ça passe. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Je ne me rappelle plus du tout. C'est un peu con d'utiliser le pont, mais bon, c'est tellement plaisir. Pourquoi s'en priver? Ah oui, en plus là, on arrive à une safe room, je crois, de mémoire. Oh, j'adore cette musique, putain. Je pense que je la mettrai bien dans un prochain. Attends, j'écoute parce que ce morceau est tellement bon. Alors, les coffres magiques. Le pompe, on va le laisser quand même. On va se le garder.
On va se le garder quand même. Pour plus tard. Ok, le spray, on va le laisser. Comment j'ai accès au... Comment j'ai accès au truc d'à côté, là? C'est un peu emmerdant, ça. Attends. Ok, d'accord. Ah oui, c'est ça, je suis con. J'ai rien d'autre là-dedans, j'avais pas des trucs en plus. Ah non, j'ai rien du tout. Bon, les plantes vertes, on va les garder. On va combiner les chargeurs. Voilà. Ça, on va s'équiper avec ça. Le couteau. Je ne sais même pas si on s'en sert, cette merde. Bon, je ne vais pas équiper ça. On va sauvegarder. Et on va se laisser là. On va passer à un autre jeu, je pense. Alors, ce bruit aussi de la machine. Oh, c'est tellement bon. Bien sûr. Carte mémoire. Ah, excellent. En tout cas, ça marche super bien. Il n'y a rien à dire. Voilà, ça tourne impeccable sur PS5. J'imagine sur PS4 aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est du vrai. Voilà, c'est pratiquement l'AM le Pro. C'est du vrai bonheur. On va juste monter à l'étage. On va se laisser là-haut. Parce qu'il y a un ou deux jours, je voudrais réessayer. Oh, c'est tellement bon. Oui, c'est vrai qu'il faut valider pour monter l'escalier, d'accord. Ah oui, d'accord, parce que c'est un truc de recharge. Putain, la vache, j'avais oublié ça. Et là, pareil. Ah oui, c'est ça. Alors, en revanche. Bien joué. Bon, écoutez, on va rester là. Putain, ce qu'il leur faut, c'est pas possible. Et l'autre, il est où l'autre? Il est mort l'autre? Ah, tu vois, c'est... En fait, avec les sticks, attends, est-ce que je peux jouer? Ah putain, je peux jouer au curseur! Ah bah, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'en fait, avec le stick, dès que je mets en bas, dès que je bouge un tout petit peu, elle tourne. Mais avec le curseur, je pointe vers le bas, elle ne bouge plus. C'est quand même beaucoup plus simple. Et j'ai utilisé un chargeur entier, ce qui est très très intelligent, évidemment. Putain, c'est une connerie. Hein. On va aller au bout. Ça met nous, ça, je ne me rappelle plus du tout. Parce que de l'autre côté, je crois qu'on est au-dessus de la salle à manger, si je dis pas de conneries. Il y a un truc là. Bah, hop, on va récupérer ça. Le maniement, ça va un peu mieux, hein. Un petit peu de temps passé dessus. Merde, j'aurais dû essayer le bon encreur. Putain, ça a pris de la place pour rien. Il n'y a pas un truc, là? Ah, mais oui, je me rappelle, putain. Il faut le briquet pour faire apparaître un message, je crois, en mettant une feuille de papier ou une plaque là-dessus. Je crois qu'il y a un truc comme ça, oui. Ça nous fait un plan. Bon, on va aller au bout, et puis on va s'arrêter là. Je vais m'en foutre dans ma safe room. Et en tout cas, je pense que je le ferai avec grand plaisir, celui-là.
Maintenant que le maniement est revenu. Alors là, c'était quoi? Ah, c'est ça, la poignée cassée. Bon, j'ai vraiment un doute sur cette version. Je regarderai sur internet si c'est vraiment ça, mais... Je sais qu'on peut les esquiver, mais bon, au moins je suis débarrassé. Et on a un autre, hein, je crois. J'ai déjà plus de bastos, putain. Elle joue vraiment comme une quiche. Hein. En fait, ces mecs-là, il faut les éviter en courant, mais bon. Là, je perds trop de munitions, c'est complètement con. Est-ce que je peux tourner? Je crois que le curseur, en fait, c'est beaucoup plus simple. Ah. Bon, bah, ça, on les connaît. Hein. C'était tellement bon de découvrir tout ça. Bon allez, on va arrêter, hein, parce que ça a duré des plombes. Je finis juste cette pièce, on s'arrête là. Allez, dernière pièce. On passe à autre chose. Ah, c'est ça, on revenait par là, d'accord. Alors attendez, on va descendre. Sauvegarder et puis là il va falloir que je fouille de l'autre côté du manoir parce que là j'ai pas de clé en fait, je suis bloqué partout. Tout le monde a trouvé ce truc, enfin j'ai entendu beaucoup de gens qui trouvaient ça nul, ces coupes de téléchargement, mais j'ai toujours trouvé que ça faisait partie du charme du jeu et ça m'a jamais vraiment gêné quoi. Bon après hein, chacun fait ce qu'il veut, voilà. Bah écoutez, on va se laisser là. Je crois que je sauvegarde comme ça. Voilà, j'imagine. Et puis on va quand même sauvegarder dans le jeu pour être sûr. Même si j'ai pas fait grand chose depuis la dernière sauvegarde, mais bon, c'est pas grave. Pour le plaisir d'entendre cette machine une dernière fois. Bah oui, oui, on écrase. Et voilà, bon allez, on se laisse là, je vais continuer d'explorer le catalogue de ce nouveau PlayStation Plus Premium. À bientôt les enfants, ciao !